J'ai un parcours vraiment, vraiment pas comme les autres, on va dire. Et voilà, j'ai réussi à me battre pour arriver à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est tout bénéf. On m'a pas ouvert les portes, donc ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis fier de moi parce que voilà, j'ai accompli beaucoup de choses. Et pour moi encore, je viens d'arriver ici, donc pour moi c'est tout nouveau, c'est un début. Mais j'ai encore envie de prouver beaucoup de choses, surtout en France. Je suis une personne qui aime bien prendre la profondeur, qui aime bien jouer avec les autres. J'aime bien aussi beaucoup marquer, en tout cas j'essaie, j'espère. Mais voilà, je suis un joueur puissant, rapide. Et devant les buts, je suis à droite, donc c'est ça en fait ma qualité. En général, les gens disent que je suis gentil, et un peu trop des fois. Donc après c'est différent, j'ai quand même un caractère de chien parce que j'aime pas lâcher les choses. Mais après ça c'est les choses de la vie. Mais en général mes amis m'aiment bien, ils disent que c'est plutôt cool et qu'on s'amuse bien. Donc on a fait beaucoup de conneries, ça c'est sûr. Maintenant aujourd'hui on a un peu grandi, donc on fait des choses un peu plus sereines et plus calmes. J'ai vu le projet était intéressant, j'ai vu que le président est revenu, j'ai vu un nouveau coach. Donc j'ai vu que Lens veut se donner les moyens pour monter en première division. Donc pour moi le challenge était intéressant, j'étais un joueur libre, donc je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai pas joué à ce niveau ici en France, donc pour ma famille et tous les proches c'est bien. Pour moi aussi c'est un bon challenge parce que c'est un défi personnel de revenir en France et pouvoir jouer à Lens. C'est vraiment un défi personnel. Après il faut réussir aussi dans son club. J'ai réussi par le passé, dans tous les clubs que je suis passé. J'espère aujourd'hui réussir aussi à Lens, ce sera vraiment magnifique pour moi. Je pense que c'est les difficultés du football, surtout en France. Je pense que je suis arrivé tard un peu dans le football, après ça a été par... J'ai essayé de percer dans le football, mais ça n'a pas réussi. Après voilà, on connaît le football, il y a des gens qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Moi j'ai accepté, moi je me rappelle très bien, j'étais à Poissy, je travaillais en même temps le soir, donc... J'ai toujours une vie toujours dure, mais pour moi c'est normal. Aujourd'hui je suis là, j'ai par le passé, j'ai aussi joué en Belgique et en Hongrie. Donc aujourd'hui je suis là, je suis content. C'est vrai que mon parcours est atypique, tout le monde me dit, mais je pense qu'il faut me servir de ça pour pouvoir avancer encore. C'est vrai que j'ai 31 ans, mais dans le football je suis très jeune. Surtout dans le monde professionnel, parce que j'ai que 5 ans pro, donc je suis très jeune dans le football.